Hey, salut tout le monde, c'est King Lizard, on se retrouve sur Ark Survival Evolved et ce soir je suis en compagnie de Jumper59. Salut Jumper. Salut tout le monde. Alors on est parti aujourd'hui pour aller récolter, pour vous montrer la méthode de récolte de la pierre et de métal la plus efficace au monde. Je ne déconne pas en vous disant ça, c'est la méthode la plus efficace de l'univers parce qu'on utilise un quetzal avec une plateforme ainsi qu'un ankylosaure. Alors comment on fait? On va sur le volcan. Pourquoi le volcan? Parce qu'il n'y a aucun ennemi, donc on pourrait très bien aller en haut de la montagne enneigée aussi, c'est très bien. Mais c'est plus pratique le volcan. Il y a énormément de métal, il y a énormément de pierres, donc on va blinder l'ankylosaure. Et même quand l'ankylosaure aura trop de poids pour pouvoir porter la totalité du truc, eh ben le quetzal lui pourra continuer de le porter. Vas-y, cogne. Allez, c'est parti. ...188. 266. Donc là, t'es à combien au niveau de ton poids? Ah bah là, je suis déjà à 700 kilos. Hein. Voilà. Donc notre ankylosaure est tout petit, hein, vous voyez que c'est un level 69. Il a à peine 300 en poids. Donc là, il porte très bien ce qu'il a déjà sur lui. Et moi, je le porte aussi, puisque regardez un petit peu, moi, le weight, il reste à 300. Donc on va faire, en fait, tout le volcan. Et on va revenir à la maison avec 14 à 15 tonnes de minerais, en fait. Hein, de la pierre, du métal et de l'obsidienne. Et des cristaux. Ne bouge pas, tu es parfait. Oui, c'est bon. Oui. Voilà, donc là on se retrouve dans une situation un petit peu embêtante, c'est-à-dire qu'en fait l'ankylosaure est bien trop haut pour réussir à frapper correctement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire tomber et de le récupérer par la suite. Donc en fait, par exemple, ici. Voilà, je vais le faire tomber ici. Je vais me reposer, essayer de le reprendre avec la pelle de façon à le repositionner correctement. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, c'est chiant. Mais on y arrive. Vas-y. Parfait. We'll be right back.
Écoute, on a nos 15 tonnes 0,50, Tim. Ça y est, 15 tonnes. On rentre. Je pense que c'est une bonne idée. Et voilà, on est reparti à la maison. Avec plus de 15 tonnes de minerais. Tu peux faire un calcul vite fait, combien on a de métal? Oui, on peut compter les stacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 stacks. 52 stacks de 200, ce qui va nous faire 52 stacks de 100. Ça fait 5200 barres. 5200 barres de fer en un voyage. Record battu sur tous les serveurs du monde. En 26 minutes. Exactement 30 minutes départ, récolte et retour. Mieux. Ouais, qui dit mieux? Je vous modifie de faire mieux. Alors, il y a une façon de faire mieux. C'est d'avoir... 1 kg 120. Ouais, 1 kg 120 que vous aurez boosté en melee damage. Voilà, c'est le seul moyen. Parce qu'en fait, si vous le boostez en melee damage, il va récolter plus de minerais. Mais ça se fait pas automatiquement, ça se fait par palier en fait. Je sais plus quels sont exactement les paliers à dépasser pour voir son score de récolte augmenter. Mais il y a plusieurs paliers à passer. Vous mettez que en melee damage. De toute façon, vous n'avez pas besoin du poids. La preuve, on est à plus de 15 tonnes et l'ankylo peut emporter 300. Donc le poids ne sert à rien avec cette méthode. Voilà la preuve que je vous dis pas de conneries. On a 14 tonnes 936. Ah oui, avec un son avec moi, c'est pour ça que t'as l'air, je remonte dessus. Ouais. Voilà. Voilà comment on fait pour récolter du métal et de la pierre. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo de farm. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, on se revoit sur Ark la prochaine fois pour un live. Je sais pas sur quoi on va le faire le live. Il y a tellement de choses à faire sur Ark que forcément on va trouver un truc. J'espère que vous a plu. Ouais les bébés. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Partager, c'est super important, d'autant que cette méthode n'est pas connue par beaucoup de monde. Donc faites-le, ça serait vraiment cool. Allez, à très bientôt.